Bonjour tout le monde, on fait une vidéo pour vous présenter notre club de lecture en ligne de Carcajou. Donc, on commence par se présenter. Vas-y, MF. Ben moi, c'est MF. Ça fait pas si longtemps que je suis chez Carcajou. Dans le fond, avant, je travaillais chez HMV, puis j'ai fait le saut ici pour travailler comme temporaire de Noël le temps des fêtes passées. Et ensuite, ben, j'ai commencé à travailler en février de cette année. Donc, ça fait à peu près 6 mois que je suis ici. Sinon, ben, j'ai presque terminé mon baccalauréat en littérature de langue française. J'aime beaucoup la littérature. J'aime à peu près tout, autant des romans québécois que des romans étrangers, que des essais, que de la littérature jeunesse. Je peux aller à peu près partout. J'aime beaucoup de choses. Moi, c'est Audrey. Ça fait 3 ans que je travaille pour Carcajou. Je viens de finir mon baccalauréat en bidisciplinaire en littérature de langue anglaise et française. Je me dirige vers une maîtrise, mais pour l'instant, je suis bien chez Carcajou. En littérature, je suis un peu comme MF. Je suis très versatile. J'aime à peu près tout. On voit souvent dans la section jeunesse, en fait. Mais je lis autant de jeunesse que de romans adultes, que même des essais. Donc, c'est ça pour nos présentations. Ouais, on est des grosses lectrices voraces. Maintenant, on va vous expliquer un peu le fonctionnement du club de lecture. Vous allez voir, c'est vraiment un club léger, facile à suivre. Ça va fonctionner. On va faire un groupe Facebook. Donc, on va télécharger les vidéos sur YouTube et ensuite sur le groupe. Comme ça, tout le monde va pouvoir y avoir accès. Et sur le groupe, on va pouvoir échanger avec vous. On va pouvoir discuter des livres qu'on. Ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé, si vous avez des suggestions sur d'autres livres qui sont sur notre thème, parce que notre thème, c'est le voyage. On a choisi trois romans québécois, trois romans étrangers. Ça va être un livre aux 2 semaines, et puis peu importe où vous allez être à travers le monde ou en campagne, on va pouvoir se parler via Internet. Notre premier livre sera Amqui d'Éric Forbes chez Héliotrope. C'est un roman noir. On suit Étienne Chénier, qui était libraire, condamné pour meurtre. Quand on le voit dans le livre, il vient de sortir de la prison de Bordeaux. Puis, il va se lancer dans une traque sanguinaire pour retrouver tous ceux qui lui ont fait du mal et tous ceux qui vont se mettre en travers de son chemin, en fait, vont être tués. Et on trouvait ça intéressant de rajouter un roman plus policier dans nos 6 choix. Et puis, c'est ça, c'est un auteur québécois qui est aussi libraire, donc c'est un collègue qu'on salue. Allô, Éric. Ben, il n'est pas collègue ici à Non, il est collègue libraire. Ouais, c'est bizarre comme ça. Ouais, mais c'est pas grave. Il va comprendre, il va être content, sûrement. Puis c'est ça, ça se passe en Gaspésie, fait qu'on part pour la Gaspésie pour commencer. Le traditionnel, mais atypique cette fois-ci, voyage vers la Gaspésie. On s'en va sur la route, et ce n'est pas seulement au sens figuré ou au sens métaphorique. En tout cas, c'est les deux, hein, sur la route de Jack Kerouac. J'ai deux éditions dans les mains. Parce qu'on a une édition un peu allégée qui a une petite préface et quelques notes, et puis texte intégral bien sûr, et la version le rouleau original, parce que Jack Kerouac a écrit sur un rouleau. Je suis pas sûre si c'est du parchemin, en tout cas je suis pas certaine de la texture, mais il a écrit ça d'une traite sur un rouleau, puis c'est vraiment en bas de nez, c'est pas quelques pages ou quelques feuilles volantes. Donc, celle-là, elle n'a pas une, ni deux, ni trois, mais quatre préfaces et plusieurs notes et appendices sur la vie de Jack Kerouac. Donc, sur la route, qui est un voyage un peu initiatique à travers les États-Unis, avec Kerouac, bien sûr, il rencontre Neal Cassady, Allen Ginsberg, William Burroughs, qui ont fondé la Beat Generation, tu sais, à ce moment-là. Vraiment à travers les États-Unis, autant que c'est un voyage initiatique avec de la drogue, des filles, de la sexualité, toutes sortes de frénésie dans ce genre-là, le jazz et compagnie, que c'est un voyage aussi que Kerouac a vu comme un voyage pour aller chercher Dieu. C'est là qu'on s'en va? Oui, c'est là qu'on s'en va. Excusez. On continue aux États-Unis avec Les égarés de Laurie Lansing chez Alto. On va partir en randonnée sur une montagne. Il y a 4 personnes qui vont se rencontrer dans cette montagne-là. 4 personnes qui ne se connaissent pas. Donc, nous, on suit Wolf. C'est lui qui raconte l'histoire. Puis, on sait dès le départ qu'il y a une personne qui va mourir. C'est quand même assez... Rentre dedans. Ouais, vraiment.
Wouf, il est sur la montagne parce qu'il compte sauter, c'est le jour de ses 18 ans, puis il compte sauter en bas de la montagne, donc il veut se suicider. Il n'y a plus rien qui le rattache à la vie. Il y a une femme qui s'appelle Nala qui cherche à souligner son premier anniversaire de mariage sans son mari. C'est un peu étrange. Okay. Il y a Bridget qui s'essouffle à trop parler et à trop bouger. C'est la petite excitée de la gang. Bridget Jones, là? Oh! Et Yvonne qui cache un secret, qui est une mystérieuse femme. Donc c'est ça, on a d'un côté un homme qui est vraiment comme dépressif, un jeune homme dépressif, puis de l'autre côté, trois générations de femmes complètement différentes. Ils vont se perdre en forêt et ils vont devoir, pour le meilleur ou pour le pire, réussir à survivre ensemble. Ensuite, on s'en va vers une toute autre destination. On va dépayser un petit peu parce qu'on retourne au Québec pour ensuite retourner, en fait, aller vers le Liban avec Au grand soleil, cachez vos filles de Abla Faroud. Là, je le regarde pour ne pas me tromper dans la prononciation. Dans le fond, on suit la famille des Chevelbe. Oui, des Abdelnour, qui est une famille libanaise qui est installée au Québec pendant près de 15 ans, qui retourne au Liban. Donc, au lieu de partir de leur pays d'origine parce qu'il y a la guerre, quoi que ce soit, ben, puis venir au Québec, venir dans un autre pays plus tranquille, plus nord-américain, ils font l'inverse. Ils tournent dans leur pays, puis dans la famille Abdelnour, on suit Ikram, qui est une jeune comédienne qui était très attachée à l'indépendance et à la liberté qu'elle avait au Québec. Je ne sais pas à quel âge, mais en tout cas, elle est comédienne. C'est pas, elle ne veut pas devenir actrice, elle l'est déjà. Mais là-bas au Liban, c'est perçu comme la prostitution. Donc, ça promet d'être assez choquant, d'être assez dépaysant, de nous amener ailleurs, dans le sens que, tu sais, souvent on voit des gens qui ont réussi, comment ils trouvent ça et compagnie. Et là, on va là-bas, avec les yeux d'une femme qui vient du Liban. Prochain, on va à Reykjavik, en Islande. Et c'est un livre que Jérémy avait adoré. Donc, ça faisait longtemps que je voulais lire. On est en 2009. On va suivre, en fait, un ménage à trois entre Agnès, Omar et Arnar. Agnès, qui est une étudiante juive qui, en fait, elle travaille sur l'Holocauste et sur l'extrême droite contemporaine. Donc, elle est en couple avec Omar, c'est un compagnon qui est paumé et jaloux. Donc, puis il y a aussi Arnor, comme je disais, ménage à trois, qui est son amant à elle et qui est un néo-nazi. Eh oui, Agnès, qui est juive et lituanienne, donc elle qui a tout vécu ça et qui l'étudie, va se mettre à être en amour avec un néo-nazi. Ouais, mais le livre ne se résume pas à ça. Le ménage à trois ne devient pas un genre de vaudeville. Au contraire, on essaie de comprendre Agnès, ses obsessions, puis son histoire familiale, l'histoire de son pays. Et l'auteur va nous emmener à entreprendre une plongée au centre de l'histoire de l'Europe. Donc, on va faire un vol au-dessus des tentations populistes. Wow. Et un examen au microscope de la société islandaise. Donc, c'est pas un livre, c'est pas seulement un roman, mais ça va nous apprendre beaucoup de choses sur l'Islande. Et c'est pour ça qu'on l'a choisi, même si c'est une brique. On termine, hein? Ouais. OK, ça fait 6. Avec Le cimetière des abeilles, d'Alina Dumitrescu. C'est un récit qui vient de chez Triptyque. Une jeune fille qui rêve de la France, qui ramasse des abeilles, de cadavres d'insectes. Étrangement. Puis elle rêve de la France, puis elle rêve de partir en France, elle rêve de cette vie-là qui a l'air tellement grandiose, tellement plus civilisée, si je puis dire. Puis avec les années, elle vieillit, puis elle décide d'émigrer au Québec. Donc elle se confronte un peu à ses rêves de la France et puis à la réalité de ce que c'est au Québec. Donc ça, on retourne au Québec avec celui-là. Puis on va en terminer notre club de lecture à ce moment-là. Ouais! Ça va se terminer vers la fin août. Donc, d'ici notre prochaine vidéo, vous allez
pouvoir aller vous inscrire au groupe si ça vous tente de nous suivre, même si ça ne vous tente pas de peut-être lire tous les livres qu'on vous propose. Si vous en lisez un ou deux, on va pouvoir échanger là-dessus. Et dites-nous comment vous trouvez le club de lecture, l'idée du club de lecture en ligne, si vous êtes prêt à participer ou pas, c'est quoi vos conditions. Ou... Si vous voulez en lire un, ou juste passer par là, ou juste voir nos commentaires, oui. Si vous voulez donner plus de temps pour les lire, allez-y, soyez pas gênés. Là, ben, c'est ça, à partir de dimanche, par contre, on est fermé. Donc, on vous donne le restant de la semaine ici pour venir chercher au moins Eric Ford avec Anne-Claude. Bon été, à la prochaine chicane. Ciao!